Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce nouvel épisode, comme je vous l'avais promis, le 73e, et on va pouvoir promouvoir le capitaine Duncan. Alors, régénération ou décharge électrique? Ouais. Aucune idée. J'ai tout pris en protocole de soutien, donc on va prendre en protocole de soutien. On va pas faire le naïf. Oui, je veux pas faire de cabine photo, je m'en fous. Voilà. Et donc continuer. Blessure grave pour Johnson. Bon. 28 missions quand même à la malheureuse. Et plus 12 de volonté. Et la visée augmente je de sais 15%. Que vos ressources sont grandement limitées, commandant. Non, pas mais trop. Vous avez réussi bien au-delà de mes espérances. C'est du beau travail. Merci, conseil. Alors, on a, c'est quoi ce truc? On n'a pas de. Tiens, tiens, tiens. C'est bizarre ça. Ah ouais, ok. Je ne peux qu'admirer le courage et la Merci. ténacité de nos hommes sur le terrain. Voilà, on est d'accord. Suite à votre plusieurs membres de la résistance, vous offre nanana. Ok, des résistants. Alors, autopsie d'un avatar 7 jours. Voilà, je comprends mieux maintenant. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Mais si, ça va en fait. Tout va bien, tout va bien. Alors, projet blaster plasmique. Ouais. Ravitaillement, entraînement collectif, attention 2 jours, un jour, il va se passer quelque Je suis chose. ravi de voir que nos efforts Non, sont ça va. récompensés. Voilà. Promotion pour encore quelqu'un d'autre. Promotion, j'ai envie de dire, c'est un peu fini, hein, tout ça, les promotions. Maintenant, il faut absolument pouvoir EP nos soldats qui vont partir pour la dernière mission en fait. Si je veux optimiser ça, c'est ça que je dois faire. Eh oui, malheureusement. Tac. Bon. Mais on va mettre Cabor, hein, décidément, elle est chaque fois envoyée au front, la malheureuse. On va envoyer Rishi Jaitelet, donc l'indienne. Et je confirme, bien sûr. Et je les envoie. Immédiatement la mission secrète, commandant. Bien sûr, ça, c'est de la promotion. On a quand même pas mal de colonels maintenant, hein. Faut pas faire la fine bouche. Alors, assassin, enchaîner les tirs. Bah, assassin, hein. Tir nourri, je veux bien, mais c'est au. C'est quoi? Ah ouais, bah j'ai même plus regardé. C'était au petit flingue en fait, je crois. Bah, excuse-moi, mais. Un petit flingue, ça reste qu'un petit flingue, hein. J'ai envie de dire. C'est juste, hein. de chance de coup critique. Waouh. Salut! Je vais te faire un gros trou. J'aimerais beaucoup avoir l'avis du docteur Taigan concernant ce que les extraterrestres tentent de faire dans l'installation que nous avons découverte. Si les anciens ont toujours été amateurs de manipulation génétique, je n'avais jamais rien vu de tel. On pourrait faire une team d'Américains, tellement il y en a. OMG, quoi. Bon, ah, j'avoue. Bon, bah tant pis, hein. On prendra pas de nouvelles races. Enfin, races. C'est un grand mot, mais oui, de nouveaux. De nouvelles personnes, voilà. Et de nouveaux continents et de nouveaux pays dans mon équipe. Le signal est bien clair. Voilà, 112 de ressources, ça c'est bien ça. Alors, ravitaillement dans un jour. Et 2 jours pour l'autopsie, évidemment. Bon, on va faire les.
Ouais, on va faire les trucs de ravitaillement, hein. Je sais pas quoi faire de ma vie, alors j'ai 300 de renseignements, pas mal. Ah. Ouais, bah ils peuvent les élus. Ils sont un peu plus là, hein, j'ai envie de te dire. Je reçois un message pour vous, commandant. Je le transmets dans votre plus 1093, bonus de soutien populaire plus 10%, ça va. Ok. Bref, bon, ça, vaincu, on connaît. Et je vais pas révéler le... La prochaine mission, la prochaine opération, ça, c'est pas la peine. Ok. Ah, il faudrait que j'essaie de, d'augmenter mon... Allez. Mon influence, voilà, pardon. Le problème c'est que je passe chez l'un, chez l'autre, chez l'un, chez l'autre, donc forcément je peux pas efficacement faire monter mon influence comme je le devrais en fait. Je devrais me focus sur une. Allez là. Je devrais donc me focaliser sur une branche de la résistance et puis forcément refaire une, puis l'autre, puis l'autre. Alors c'est pas du tout ce que je fais, malheureusement. C'est pas grave. Communication, le conseil a de nouvelles informations sur une mission de haute priorité. Voilà. Alors, neutraliser la cible dans le véhicule d'Advent. 279 de ressources et 94 de renseignements. Tout va bien. Prêtre d'élite, CEM lourd d'Andromède, gardien. J'ai cliqué, désolé. Ah ouais, moi je suis obligé. À 23h, tout va bien. Ouais. Retirer, on va peut-être retirer et on va mettre un qui est professeur, par exemple. Ah, oh, c'est dommage. On aurait pu renvoyer un sniper. Bon, soit. Comment ça, difficile, moi je trouve. Je vois pas ce qu'il y a de difficile dans la mission, hein, mais bon. On va éviter quand même de fanfaronner. Parce que ça pourrait très vite mal se passer, je connais le bazar. C'est vraiment quand on part avec un niveau d'excès trop excessif, voilà. De la confiance trop excessive, on déchante très vite après, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, mon petit Billy. Alors, 4-7, 4-7, 6-9, déjà ça c'est mieux. 7-10, ça c'est mieux. Oh, lanceur nucléaire, salut. 8-11, ça me plaît. 6-9, 7-10. Blaster, plasmique. Portée 25, hein. Il faut que je regarde, il y a des choses. Oh, le lanceur nucléaire, ça va quoi. 45 portée. On va faire ça, hein. Moi je suis vraiment pas contre perso. Allez. On arrête de rigoler et on fonce dans le tas ou quoi. Qu'est-ce que tu veux m'envoyer ça? Je vais pas mettre frère d'armes avec un paysan quoi. Mercure, unité menace prête au déploiement. Ah bah on était juste à côté en plus, c'est bizarre. Hein. Comme la police dans les UP quoi. C'est quand ils arrivent que ça devient le bordel. Bah c'est pareil pour moi. Extraterrestres transportent dans ce secteur un VIP auquel ils tiennent beaucoup.
Il est à bord d'un véhicule de transport d'Advent, et il a suffisamment d'importance pour que le porte-parole nous demande d'intervenir. Nous devons capturer ou tuer le VIP, sécuriser la zone et neutraliser les forces hostiles. Et c'est parti. On verra bien. Ah, c'est mieux. Voilà. On arrive sur les toits, je crois. Si je me trompe pas. Menace 1-5, position non. De la cible confirmée. Il est juste à côté de moi, MDR. Éliminer les contacts hostiles. Ah ouais, je peux repartir juste après, ok. Bah, juste après, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai envie de dire. Si j'ai quelqu'un qui a un grappin, c'est le moment. Comme ça, je... On va regarder quelqu'un, si quelqu'un n'a pas un grappin. Est-ce que je l'aurais désactivé? Non, Soto. D'accord, bon. Si je vous ennuie, faut le dire, hein. Me dirijo a la posición indicada. Oui. Et je pense que là, il y a moyen peut-être de moyenner. Oui. Nice play. Voilà, on va se grimper de l'autre côté. Tac. Et ça nous permet directement d'être en face. Bah, on va voir des gens, hein, ça c'est sûr. Voilà. Menace 1-5, identité de la cible confirmée. On va le capturer, hein. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? En fait, dans un sens, j'ai envie de le tuer. Parce que j'avoue que ça va être long. Et pénible de devoir l'assommer, le prendre, le porter, le machin. Je suis pas sa mère, hein. Je suis pas censé faire ça, moi. Pas payé pour ça, j'ai envie de dire. On m'a demandé d'intervenir, je suis intervenu. Il m'a regardé de travers. J'ai appuyé sur la gâchette, j'ai eu peur pour ma vie, quoi. J'ai pris 3 rangers avec. Bon, ok. Pourquoi pas. Bon, hop, on va se mettre là. Ouais, ça me semble bien. On est avec le fusil disrupteur du sorcier, donc. On a 14 tours pour le faire. Lol. Bon. Fusil magnétique, ok. Ouais, c'est le soldat d'élite, quoi. Franchement, pas intéressant, j'ai envie de dire. C'est parti. Alors, est-ce qu'il va avoir de la du grabuge? Je ne crois pas. Il n'y en a pas. Alors, maintenant. Bon, on va s'amuser à les pirater, ça. C'est toujours ça de gagner. Si je peux gagner quelque chose, ça se prend. Alors, volonté, ouais. Volonté de l'ennemi. Si ça peut l'amuser, bon. Alors. Bon, c'est fait. Et vous avez vu que même à 160, j'arrive encore à avoir des loupés. Hein. Enfin, des loupés, ouais. Oh, j'ai un truc qui vient de me traverser l'esprit. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oh, ça c'est dommage. Parce que là, je fais traverser comme ça. J'ai les deux, j'ai le VIP, j'ai la voiture qui explose, j'ai l'Andromède.
Ça, c'est génial, ça. On est dissimulé. Ouais, j'allais dire, j'espère que je le suis toujours, mais oui. Pas passer sur le côté. Et comme ça, avec un peu de chance, eh bien, on peut les prendre à revers quand on fera l'embuscade. Ce qui peut être sympa, ça. Franchement. Je suis pas pour ce genre de choses, mais là, faut quand même avouer qu'ils m'ont un peu cherché, hein. On va encore attendre. On n'est pas placé assez bien. Oh, doucement, doucement. On va éviter. Non, on est à cover, donc c'est bon. Normalement, ça devrait pas. Franchement, ce serait vraiment pas de bol que quelqu'un arrive et monte. Franchement, on sait pas, par un hasard. Tandville Patty, elle peut. Ouais, tic et tac, c'est bon. Ziwu. Ça, c'est autre chose par contre, Ziwu. Je me mets là. Normalement, je suis pas vu, hein. On va passer son tour comme ça. Ouais, sans faire de vigilance. Sans... Qu'est-ce que j'avais dit? Faudrait vraiment pas de bol qu'il y ait une patrouille qui arrive. Et je vais encore me faire... What the f... Non, ça va. J'ai vraiment la poisse, moi. Alors, tic-tac ici. Ah, je suis vu, ok. Ici je suis pas vu, mais il faut que j'arrive à contourner ce bâtiment. On va se mettre assez loin, avec un peu de chance. On devrait pas être... Ah oui, je sais ce qu'il me voit. C'est la tour qui est là, ok. Tout va bien ici. Tout va bien, je vais me prendre tous les gars en même temps, ça va être génial. Franchement, j'ai toujours rêvé de faire ça. Bon, t'as envie de Patty. Je dois aller pirater. La tour qui est là-bas. Voilà, c'est bien ça. Donc avec elle... C'est perturbant les lignes jaunes là de la route. Ah ouais. Avec un peu de chance, je le verrai. Faites que je le vois. Tintin. Pareil pour Terminator. Lui, il peut évidemment s'isoler sur le côté. Si je peux faire un carnage ici. Alors. Fais quoi ici? Parce que j'ai envie de dire que c'est rouge partout, mais il y a moyen peut-être de faire mieux que ça, quoi, non? Allez mec. J'ai pas trop envie de faire un truc comme ça, non? Non? Pas trop. Allez, on va le mettre là-bas. C'est bien comme ça. Si jamais cette escouade là bouge, on est tous dans la merde. Mais carrément tous dans la merde. Voilà. Alors lui, évidemment, on pourrait l'acérer, mais c'est pas le but. C'est quoi ça? Tac, 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 tac. Ah ouais. Grenade plasmique. Est-ce que ça se lance encore de nos jours, ces machins-là? Hein? Je crois pas, hein. Et là, avec Tic et Tac, on pourrait faire ça. Ce serait génial. Regardez.
Bim. Trois d'un coup. On va attendre. C'est le prochain tour. Par contre, j'ai passé mon tour, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Bon, soit. Faut pas qu'il y en ait un qui bouge. Hein. Don't move, hein. Please. J'avais oublié qu'il y avait une patrouille sur la gauche, ici. Ça pue. Ah non. Allez, tic et tac. You ready? Non. Not yet. Tanneville, elle est où Tanneville? Si c'est bon, je m'y ferai jamais. Tanneville, pas il. Pas Tanneville, pas il. Bon. Dis-moi que tu peux. Incroyable ça. On va se mettre en vigilance. Allez, tic tac, c'est parti. Ranger du risque. Ça, normalement, ça n'a pas bougé. Voilà. Ah. Voilà. 1, 2 et 3. Ah, tu m'étonnes, ils vont tous souffrir. Boum. Alors l'autre n'a rien compris. Voilà, on est tous repérés, hein. Ça c'est sûr et certain avec le coup de maître. Ah, c'est parti. Oh, il n'a rien demandé, il s'est déjà pris un critique dans la tête. Ah, pan. Et là, c'est parti. Lentu. Shoot at sight, comme on dit. On tire à vue. Ah, le gardien, il est chaud, là. Il est chaud. Alors. Alors, Soto. C'est un peu loin pour se grapper de l'autre côté, évidemment. On n'est pas aussi naïf. Alors, Kuznetsov, Terminator. Il y a moyen de faire ça dans les règles de l'art, hein, mon ami. Voilà. Attendez. Et gardien, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit? Hein? J'aimerais quand même savoir s'il y a quelqu'un qui voit le... Alors, merci. L'Andromède. À part toi. Please. Attendez. Ouais, ils sont trop éloignés. On va se mettre là. Le soldat d'élite, il pourrait quand même servir à tuer une paire de gens ici. Hein. Voilà. Tous des critiques, c'est abusé. Voilà, l'Andromède. Allez, ça c'est juste pour le délire. Je devrais pas, je sais. Je troll le jeu, mais... Ça serait marrant quand même. Allez, 55% de chance. Please. Yep. Alors, prise de contrôle temporaire de cette unité, bien sûr. Ça va être marrant. Moi aussi, je suis. J'en suis.
pas trop le choix ici, hein. Si je veux faire quelque chose... Ah, mais c'est pas possible ça. Bon. On va faire ça. Ça va faire exploser la voiture. J'espère du moins. Et ça va faire tuer le gars. Bon voilà. Bon. Je suis grillé. Ça on le savait. Ah là j'ai plus de... Ah bah je suis déjà dissimulé. Ah je peux pas. Si je suis encore dissimulé ici. Donc ça c'est bien. Alors c'est quoi? Enchaîne. Dévastateur d'attaque au corps à corps dont la première touche toujours la cible. Pour chaque victime en mode faucheur, vous gagnez une action supplémentaire. Mais les attaques, oui. On va se mettre là. Là. Et on va balancer un leurre. Le truc de couillu. On va le balancer là-bas, tiens. Comme ça, je risque pas de me faire dévoiler, mon gars. Mais lol. Quel couillu. Ouais, il y avait cette... J'avais oublié. MDR. Bon, allez, s'il y avait que ça. Ok. Normalement ça doit tirer, hein. Ces deux-là, la CEM et... Non, le gardien par contre. Sûrement dévoilé lui maintenant, hein. Non ? Ça va. Elle a presque OS, hein. MDR. Ah j'allais dire il a OS mais non. C'est bien. Nickel. Lol, ça c'est considéré comme une unité tuée. C'est une blague ou quoi? C'est un robot quoi. Ah il y a des renforts. Ah bah ça va, tout va bien ici. Menace 1-5, nous détectons un transport ennemi en route vers votre position. Ça va, ça devrait aller, ça passe. À 11 hein, quand même ça rigole pas franchement. Et hop, deux robots d'un coup pour le même prix. Celle là elle est cadeau, j'avoue. Alors mon Andromède, quand est-ce que je peux jouer avec? Voilà. Alors, elle a quoi elle? D'accord. Attaque brutale. J'ai raté un truc, mais il me semblait qu'il y avait une CUM ici quelque part. C'est une blague ou quoi? Ah ben là. Ok. Voilà. Alors, on va se mettre là. Et on va tester notre petit joujou ici. Voilà. 7 à 10, ok. Ouais. Alors, éclair, évidemment. Et pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait une boulette atomique. Allez hop, vas-y inspiration. Oh j'aurais pu tirer en fait, hein, j'étais à côté. Perso.
Attendez. Là, il y a un truc qui va pas. Je suis aux boulettes quand même, hein. Franchement. Allez, on le tue. On le tue. What? Ça c'est pas cool. Ouais, ça c'est pas bon du tout, hein, comme tu dis. Autant que la grenade, elle envoyait du pâté, que le reste, on attend toujours après. Hein. Voilà, c'est bon. Bon, cet épisode va être un peu plus long, il semblerait. Alors, 63% de chance de le tuer. On était dedans. Ah, il est tout bien. Et donc, c'est ici qu'on va se laisser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait. Merci à tous. Bye bye. Ça bouge dans tous les sens. Ça c'est ma boulette, effectivement. Watch the flanks. No, no, resisto.